Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cinéscène. On est un peu à la bourre parce que bah forcément le gars qui me sert de cadreur, il a traîné, hein, il a traîné les pieds pour venir, machin. Donc bon voilà, les sorties de février vont arriver début février au lieu de fin janvier. Mais de toute façon, il n'y a rien d'intéressant qui sort cette semaine. Désolé pour les films qui sortent cette semaine. Donc on va commencer à partir du 8 février, comme ça vous avez encore le temps de trouver une date pour aller au cinéma. Et le 8 février sort un film qu'il ne faut absolument pas aller voir. Non, je déconne. Enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. 50 nuances plus sombres, c'est la suite de 50 nuances de gris. Hein ? Voilà, vous comprenez, 50 nuances de gris, 50 nuances plus sombres. Le prochain, 50 nuances de noir, ou je sais pas, Non, on va voir. Bref, c'est réalisé par James Foley. On retrouve au casting toujours Dakota Johnson et Jamie Dornan. On verra aussi Kim Basinger dans ce film-là. C'est la suite de 50 nuances de Grey, c'est toujours l'histoire de Christian Grey qui a vu Anastasia se barrer et qui cherche désespérément à la récupérer. Si vous avez vu le premier, bah essayez d'aller voir le deuxième, hein, c'est toujours mieux de connaître la fin de l'histoire. Si vous n'avez pas vu le premier, allez pas voir le deuxième avant d'avoir vu le premier. Et si vous êtes comme moi et que vous en avez rien à faire, bah voilà. Bref, on enchaîne avec toujours le 8 février, Seul de David Moreau. Et oui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un petit film français. Et oui, messieurs, au casting, Sophia Lesaffre et Stéphane Bach notamment. Et ça nous raconte l'histoire de Léa, 16 ans, qui, comme tous les matins, se lève en retard pour aller à l'école. Sauf que là, il n'y a pas de parents pour lui pousser aux fesses. Il n'y a pas de voisins. En fait, il n'y a plus personne là où elle habite. Et du coup, bah, elle se retrouve toute seule. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle croise 4 autres jeunes adolescents. Et tous les 5, ils vont essayer de s'en sortir dans ce nouveau monde. On reste toujours le 8 février, beaucoup de sorties, vous aurez le choix. Et peut-être un peu plus pour les cinéphiles cette fois-ci, on aura le droit à Silence de Martin Scorsese. Inutile de présenter le réalisateur. Un casting assez sympathique aussi, puisqu'on retrouve Andrew Garfield, Spider-Man notamment, Liam Neeson et Adam Driver. Et c'est à ce moment-là que je place l'inévitable Star Wars de cette émission. Bref, voilà, ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte l'histoire de deux prêtres jésuites qui s'en vont au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, qui a disparu en tentant de prêcher les bonnes paroles du catholicisme. Bah, au Japon, hein, et sinon ils iraient pas au Japon pour le retrouver, hein, inévitablement. Voilà. Bon allez, on passe au 15 février avec une sortie blockbuster cette fois-ci, Underworld Blood Wars. Le cinquième volet de la saga Underworld est réalisé par Anna Forster. On retrouve au casting l'inévitable Kate Beckinsale. À côté d'elle, on aura Theo James, qu'on a vu notamment dans Divergente, où il jouait le rôle de 4, et Tobias Menzies. Me demandez pas qui c'est, je n'arrive pas à mettre de visage sur ce nom. En plus, c'est compliqué à dire. Bref, toujours la même histoire, un peu différente quand même, de vampires et de loups-garous qui se battent, qui se mordent. Bref, ça fera un excellent film à aller voir après 50 nuances plus sombres. Non, d'accord, ok, on passe à autre chose. Le 22 février sort le nouveau film de mon maître à moi, le grand, le seul, l'unique M. Night Shyamalan. Et si vous voulez plus d'infos sur ce film, eh ben vous allez chercher dans les pages précédentes, puisqu'on a fait récemment une émission consacrée à Shyamalan dans laquelle on revenait sur ce film. Voilà, et puis sinon, bah, vous allez le voir de toute façon, c'est Shyamalan, il n'y a pas besoin de savoir de quoi ça parle. Voilà. Allez, on conclut cette émission, plus ou moins, avec un dernier film en particulier qui pourrait intéresser les cinéphiles, puisque c'est le très grand réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa qui était derrière la caméra. Ça s'appelle Le secret de la chambre noire, et c'est un film qu'il a réalisé en France, puisque ça nous raconte l'histoire de Stéphane, un photographe français, qui a une tendance un peu à séquestrer sa fille pour lui infliger des séances photos de plus en plus éprouvantes. Il va avoir un nouvel assistant qui va arriver et qui va se rendre compte qu'il va devoir aider la jeune demoiselle à se sortir des griffes paternelles. Voilà, sur ces bonnes paroles, on en a fini pour ce mois de février. Est-ce qu'on va se retrouver dans le courant du mois ? Probablement. C'est la Saint-Valentin dans pas longtemps, donc peut-être qu'on va vous parler de films romantiques. Peut-être pas, on sait pas, on verra, ça dépendra si Damien décide d'y remettre un peu du sien et de se presser à me laisser tourner. Voilà, sur ces bonnes paroles, comme toujours, je vous dis
un prochain numéro pour de nouvelles aventures, et d'ici là, que la force soit avec vous.